femme prépare ses galettes pour la famille. Le nombre des galettes, parfois il y a une seule galette, ça signifie que la famille n'est pas nombreuse. Parfois quand il y a plusieurs galettes, ça signifie que la famille est nombreuse. Et donc les gens amènent leur pain pour le faire cuire ici. C'est-à-dire, on ne paye que la cuisson. Un dirham la galette, la cuisson. Et donc ce n'est pas une boulangerie et ce n'est pas du pain à vendre. Regardez, une fois cuit, on les laisse ici jusqu'à ce que les gens reviennent le chercher. Regardez les enfants, avant d'aller à l'école, donc ils viennent poser le pain. Voilà, c'est sur le chemin. Belair Cigogne, la maison de la Cigogne qui était un ancien hôpital pour soigner les oiseaux. Pardon. Et à partir de 1997, ça a été acheté par des Suisses allemands et transformé en riad. Mais comme j'ai dit, pas pour y habiter, mais c'est une fondation pour la culture au Maroc. Le seul quartier qui se trouve à l'extérieur des souks, des tanneurs. Et donc on vient, après la première opération, ce qu'on appelle le tannage traditionnel, ça donne le marocain,